Fait qu'on va là, le super Sima, le mascara! Bienvenue, mon Sima. Ok, cut. Eh bien, mon Sima, comment vas-tu tenter de te fouler le pied cette semaine? D'accord, Jerry, comme tu le dis si bien, il faut même défouler cette semaine en tentant d'abattre le record du bas le plus plat. Ouais, pour moi, ça ne fait jamais de doute, mon Sima. C'est bien toi, le bas le plus plat. Aïe, aïe, ouais, mais évidemment, on peut pas tout être des épais comme toi. Un record anciennement détenu par un dénommé Gump. Ah. Une espèce de galette en plasticine qui était encore plus plate que Bobinette tout nu. Ouh là 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 là! Mais ça sera pas facile, ça, mon super. Ouais, mais ça, Jerry, mais ça. Mais pas peur de mettre toute la vapeur, oui. Bon, d'accord, alors on est prêt? Tu es prêt, mon petit bon? Ah oui. C'est parti! OK! Alors, mon super, t'es sûr que t'es pas sur les amphétamines? Aucune drogue, Jerry, je suis 100% au coton. J'ai subi un entraînement rigoureux, intensif, avec toute une gang de hot dogs cette semaine, des hot dogs stimés, fumés sur un luche, chez Castorat, côté 4 saucisses, propriété de Pierre Marcotte, classé dans le guide français des relais et bunneries. D'ailleurs, je salue mes soluches, je lui lèche les pieds bien bas en passant. Si je comprends bien, mon Tiba, ce que t'es en train de faire, c'est une plug. C'est en plaisir, Jerry, c'est en plaisir. Eh bien, en parlant de plug, Tiba, je vais plugger maintenant le fer. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Il t'a pas plugué? Et voilà. Tu vois là, mais tu fous, c'est une farce, ça. Arrête ça, d'ailleurs, arrête ça, Jerry. Non, il y a... Si c'est une farce, tu vas la trouver plate en bon temps, là. Pas sans courir de Gumby et de Bobinette. Un peu plate, moi. Et maintenant, mesdames, messieurs, directement du studio H de Télémétropole, disponible bientôt sur le marché des actions en deux tranches de 50 millions. Des actions.